can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma routine capillaire du moment. Je vous en avais déjà parlé en décembre dernier, lorsque je vous avais expliqué pourquoi je ne voulais plus faire de coloration permanente, que ça m'avait vraiment asséché les cheveux, et que j'étais vraiment à la recherche d'une routine qui allait pouvoir me permettre de prendre bien soin de mes cheveux, et que j'allais couper au fur et à mesure en fait ma coloration pour revenir à ma couleur naturelle. Je vous avais expliqué aussi que j'étais repartie sur une routine beaucoup plus complète que celle que j'avais avant, avec un bain d'huile, avec un shampoing, un masque, enfin voilà, des choses que j'avais un peu laissé de côté puisque je m'étais plus tournée vers le co-wash, et aujourd'hui je me rends compte que voilà, le shampoing c'est ce qui me correspond mieux, avec une routine beaucoup plus complète et surtout une routine bio et naturel. Donc quand je vous en avais parlé en décembre, j'étais sur une routine 100% bio. Aujourd'hui, j'ai des produits qui ne sont pas bio, mais qui sont naturels. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça en détail et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi tel et tel produit. Alors la première étape de ma routine capillaire, ça va être le bain d'huile. Donc en ce moment, j'utilise l'huile de moutarde. C'est une huile que j'ai achetée chez Aromazone. C'est une huile qui va stimuler le cuir chevelu, qui va permettre aussi de l'assainir, de gainer le cheveu. C'est vraiment une très bonne huile. Je l'utilise maintenant depuis fin janvier. Voilà, j'en suis assez satisfaite. Donc pour réaliser ce bain d'huile, je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections. Ensuite, je vais bien appliquer l'huile au niveau de mon cuir chevelu avec une sorte de bouteille biberon qui va me permettre de bien appliquer l'huile raie par raie. Et ensuite, je vais l'appliquer sur toutes mes longueurs. Et je vais en profiter pour me faire un massage capillaire de quelques minutes, on va dire 2-3 minutes par section, et ensuite je vais terminer avec une vanille. Une vanille que je vais transformer en chou, et ensuite je vais mettre un bonnet auto-chauffant et je vais garder ce bonnet environ une heure. C'est vrai que des fois j'aime bien avoir un bain d'huile que je laisse assez longtemps, donc des fois je laisse toute la nuit. Le principe du bonnet auto-chauffant, c'est que ça va vraiment vous aider à faire pénétrer la nutrition dans votre cheveu, puisque ça va permettre d'ouvrir vos écailles. Moi je sais que j'ai un cheveu qui est extrêmement poreux, donc j'ai besoin de cette source de chaleur pour ouvrir mes écailles et pour pouvoir faire pénétrer la nutrition dans mes cheveux. Donc ensuite je passe au shampoing, et là je vais utiliser le shampoing Botanicals Fresh Care à la fleur de cartame. Pour réaliser mon shampoing, je vais d'abord rincer mes cheveux, donc rincer l'huile de moutarde, et ensuite je vais vraiment m'attarder sur le cuir chevelu pour bien nettoyer. Je vais utiliser une brosse vibrante qui va me permettre de bien décoller toutes les impuretés, toutes les saletés de mon cuir chevelu. Et ensuite, je vais appliquer le reste du shampoing sur mes longueurs. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'autres shampoings. Enfin voilà, vous étirez un petit peu sur vos pointes le shampoing pour que vous puissiez en avoir sur l'ensemble de votre cuir chevelu et sur l'ensemble de vos cheveux. Donc pour cette gamme Botanicals Fresh Care, je vous disais que c'est à l'huile de fleur de cartame. Donc la fleur de cartame, en fait, c'est une plante orientale qui va vraiment avoir pour objectif d'apporter des acides gras, des lipides. Donc c'est vraiment une gamme, j'ai oublié de le dire, qui est spécialisée pour les cheveux secs, qui va vraiment avoir pour objectif de nourrir en profondeur. Attention cependant sur le shampoing, pour ceux qui sont complètement anti-sulfate, il contient du sulfate. Il est sans silicone, sans parabène et sans colorant, mais il y a du sulfate. Par contre, j'ai été assez surprise, et vous le verrez par la suite, c'est que mes cheveux n'étaient pas du tout secs. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé la première fois, j'ai eu assez peur avec le sulfate. Ils sont vraiment très doux, les boucles se redessinent d'elles-mêmes, donc c'est vraiment très agréable. Ensuite, une fois que j'ai rincé mon shampoing, donc là, comme je vous le disais, les boucles se sont redessinées, vous pouvez le voir, vraiment quelque chose de très nuageux, de très léger, c'est super agréable. Et là, je vais appliquer le masque. Donc toujours Botanicals Fresh Care. Pour l'application, je vais commencer par mes pointes et je vais remonter jusqu'aux racines. Je vais pas trop en mettre sur les racines, en soi, c'est pas utile le masque sur les racines. Donc c'est vraiment la partie du cheveu qui est sortie, on va dire, qui va vraiment avoir besoin de ce masque. Donc pareil, toujours à la fleur de cartame, donc vraiment dans le but de nourrir, d'assainir le cheveu, de lui apporter toute la nutrition nécessaire. Et donc ça, je vais le laisser poser pendant
30 à 1 heure, enfin ça va dépendre en fait. Donc après l'application, j'ai fait des grosses vanilles et en fait quand je vais rincer mes cheveux, je vais pas défaire ces vanilles. Je vais vraiment rincer en gardant bien les sections. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au niveau du démêlage, je vais démêler mes cheveux au moment où je vais appliquer le masque et je vais les démêler avec les doigts. Puisque pareil, dans ma nouvelle routine capillaire, j'ai complètement banni le peigne. Donc peigne, brosse, tout ça, c'est complètement banni. Donc je vais vraiment utiliser mes doigts et je trouve que mes boucles sont beaucoup plus définies. Donc une fois que j'ai rincé mes cheveux et que j'ai vraiment gardé les sections, ce qui permet également de ne pas retirer tout le masque puisque je vais faire un wash and go. Je fais beaucoup de wash and go. Je fais quasiment que ça, puisque comme je vous l'avais précisé dans d'autres vidéos, je fais beaucoup de sport. Et c'est vrai que c'est plus simple pour moi l'entretien de mes cheveux avec des wash and go. Donc j'ai pas complètement rincé le masque. Et ensuite je vais appliquer le baume démêlant. Donc toujours de Botanicals Fresh Care, qui va me permettre de continuer à démêler mes cheveux et de leur donner, de donner aux boucles le plus de rebondi. Préparation nutritive infusée d'huile de carthame pour délier, nourrir les longueurs. Et ensuite je vais continuer avec la pommade douceur que je vais vraiment appliquer en étirant un petit peu mon cheveu. J'aime bien en fait que les boucles ne soient pas complètement rétractées, que mes cheveux ne shrink pas trop. Donc je vais appliquer en plus cette pommade. Alors une fois que j'ai appliqué tous ces produits, je termine par sceller l'hydratation avec mon chouchou du moment. Enfin, cette marque, je l'adore, c'est la marque Carétique. Je vous en avais déjà parlé en décembre quand je vous avais présenté rapidement les produits que j'utilisais. Et ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai aussi découvert d'autres produits de cette marque, puisque cette marque propose des produits pour le corps, des produits pour les cheveux, des compléments alimentaires. C'est une marque bio, issue du commerce équitable. Enfin, vraiment une éthique très 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 belle. Ce sont des produits vegan aussi. Donc voilà, vous en entendrez encore parler. Là, il s'agit de la crème du baume capillaire 2 en 1, masque et soin coiffant sans rinçage, belle crinière. Donc c'est à base de karité, de mongogo et d'huile de jojoba. Le petit plus de ma routine, lorsque je sens vraiment que mes cheveux sont vraiment très sales. Donc là je vais utiliser l'après-shampoing régénérant de Velleda, la gamme Avoine, qui est spécialisée pour les cheveux secs et abîmés. Donc cette gamme, je vous en avais parlé en décembre, puisque à ce moment-là, je testais toute la gamme. Malheureusement, le shampoing m'a pas trop réussi. Je trouve qu'il asséchait beaucoup les cheveux. Par contre, l'après-shampoing et le masque étaient vraiment pas mal du tout. Donc pareil, je vous le recommande aussi et c'est une marque bio. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté pour ma routine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des produits que vous avez déjà utilisés, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes sensible ou non à l'utilisation des produits bio ou naturels, ou si vous vous concentrez plus sur le budget, plus à savoir est-ce que ce produit me correspond ou pas, sans vraiment creuser au niveau de la composition. C'est des choses qui m'intéressent aussi parce que ça peut me permettre aussi de vous proposer des routines capillaires qui vont être avec un certain budget, ou si vous voulez de plus gros budget. Si vous avez des spécificités en fait que vous recherchez vraiment dans vos routines capillaires, moi ça me permet de découvrir de nouveaux produits et aussi de vous présenter des choses voilà, qui pourraient vous plaire et sur lesquelles on pourra échanger. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant voilà, dès que je sors une vidéo. Plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!